Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai eu envie de tester un nouveau jeu, enfin, nouveau jeu pour moi, il est un peu moins nouveau maintenant, mais il semble très intéressant. Donc, je vous emmène dans Black Myth Wukong, ouais, on va dire Wukong, je pense. On va voir s'il y a des réglages à faire. Ouais, très élevé, peut-être un peu abusé. Comme ça parce que alors ça m'a fait un peu flipper parce que il a passé trois plombes à me charger les shaders. La dernière fois que j'ai un jeu qui m'a chargé des shaders et qui était aussi long, c'était Last of Us. Et si vous vous souvenez, l'expérience était assez particulière. M'envahit avec la fenêtre de Steam à chaque fois. Voilà. Bon. On est pas mal, je pense. Peut-être le son. La musique, on va la descendre. Puis voilà, hein. Je pense qu'on est pas mal. Nouvelle pérégrination. Allons pérégriner. Hop. Putain, déjà c'est beau. Hein. La vache. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Du nuage magique là. My master, safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Ha 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 ha!
Stay back, stupid dog. Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these leaders, except for that pig. You're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I put your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. En colère. They gave you. Oh putain, c'est à moi. Yet you spurned each one. Such ingratitude. Verrouiller la cible. Ok. Putain, ça commence là. Oh putain. Allez, on va voir de vie. Putain, on en parle que... Ah, c'est chaud, hein. Oula. Tandax, hein. Ah, stylé. Magnifique, le jeu. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word. All realms and beings have ruined themselves. Oh putain. Your escape was a crime in itself. Ça fait beaucoup. Ah ouais, mais c'est chiant si je perds la caméra à chaque fois. Ah bah ouais. Je vois pas par les coups, je vois pas arriver. Avec la caméra à suivre. Putain. Ah, parce que s'il faut que je règle la caméra moi-même à la manette pendant le combat, c'est tendu du slip quand même.
Celestial Court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Dear brother, your edge needs honing. Good. I was in need of a back scratcher. Oh putain. Oh putain, il fait mal ce con. J'y suis presque. Ah là là. Ah, ah putain, il vole aussi. Oh là là. C'est magnifique ce jeu. Comme un gamin. Oui, putain. Brat, you call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. Ah, il transforme aussi. And so ends the last tale of Sun Wukong. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. Ah,
is on the mountain. Since my youth, they said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Il pleut. Il pleut, pleut. J'avais verrouillé. Allez, va pas falloir oublier de faire ça. Hein. C'est quoi cette boîte? Ah non, c'est juste du décor. Il est trop beau ce jeu. Enfin, je vais la répéter au moins 40 fois cette phrase, mais... Waiting for pluck your hair and make an offer.
quoi ça? The mountain have long been waiting for your arrival. Oh, his spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers, before it was ruined by that fire. Ah. Then the temple was rebuilt. Oh, what good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burned to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, that's a tough one. Good luck to you. Oh putain. It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. Oh.
The young boys these days know no manners. Fear not. Teach them a lesson with your new spell. Idée du siècle. J'ai pas réussi à acheter ça. J'ai raté un truc. D'accord. C'est que cette bestiole. Quand même pas de lire pour tricoter. Hein. Bon. Truc intéressant ici. On va savoir ce que c'était la bestiole quand même en bas là. Oh, excellent pour marcher sur les tendeurs. Thank you.
dans un cul-de-sac. Ok. Ça explose, putain, j'avais pas capté. Ah putain, puis du coup à chaque fois il te remet à la dernière lanterne. Ok. Hôtel, pardon. Il va pas me remettre le boss encore. Le boss s'est passé quand même. Ok. C'est trop bien fait. Ouais, je regarde tous les détails, je fais mon touriste, mais. D'accord. Ça, faut le savoir que ça va te péter à la gueule, quoi. Ok.
Ah d'accord, pour casser les trucs aussi. Ah putain, et les images, elles sont vraiment magnifiques. J'espère que vous en prenez plein les yeux aussi. Moi, je me régale. Ah ouais. Ok. Il devait y avoir un truc là-dedans. Enfin, les devs, hein, ils ont bien bossé, hein. Putain. Les textures sont incroyables. Ah oui, d'accord. Que chaque fois que j'en vois un, ça fait des TP et des sauvegardes. Récupérer, restaurer entièrement votre état. Remplir une cour. Le mal anti-miasme, ah oui. D'accord, donc il y a un système de boutique. D'accord.
and just parade in, do you? It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada so you may follow the fire ahead and scout this mountain unnoticed. Fly! Ah, c'était pas une vanne. Pour ceux qui aiment donner une armure dorée. Non, 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 il m'a vraiment pensé en cigale. Oh merde. J'ai l'impression que lui, il va pas être sympa. Salut à tous. Je peux me transformer en cigale, je peux figer. On va essayer de figer, tiens. Another monkey, I see. Why don't you lay down your weapon and join me in Buddha's mercy? What say you? Putain, il déboîte lui. Oh putain, oh, il fait mal. Wow, putain, il fait tellement mal. Ah ouais, d'accord. Merci pour la vanne. Je ressemble, mais je suis nul. Quoi. Okay.
putain. Ah mais carrément quoi. Ah oui. Ok, donc j'ai le choix entre le grand et lui. Thank you.
Putain, mais il est atomique, lui. Et tu chopes une fois, en fait, tu peux plus bouger. Est-ce que je suis censé me le faire faire tout de suite? Une excellente question, ça. Ah bah, on avait dit que c'était de la découverte.
chose, elle peut être assez drague. Ah putain! Maintenant un piaf quoi. Mais en vrai...
compliqué quand même. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la poudre anti-miasme? Putain, je pensais que c'était les potions. Ah. Je veux buter le piaf. Ah, quand même. Thank you.
redoutable. Ah putain! On sait pas où s'arrête la limite en fait, c'est un peu chiant dans les jeux fermés comme ça. Oh putain! Mauvaise idée. Putain! Un monde ouvert, du coup il y a des endroits où je peux pas aller, mais bon, ils sont pas vraiment symbolisés. Enfin, lui c'est sûr, je peux le défoncer.
serait bien de pouvoir parer. Wow. Oh oui, c'est un missile le mec. La grâce de Bouddha t'échappe toujours. Oh oui, oui. Moi je m'échappe pas souvent par contre. Hein. Putain. Oh la torpille quoi. Des sorts. Si vous voulez utiliser, je fais ça pour l'instant. Ah bah oui, forcément s'il y a un arbre de compétences à améliorer. Pas mal ça. D'accord.
C'est un singe aussi, non? On dirait. Est-ce que c'est resté? Ouais, ça va, ça reste. Bon, bah voilà, voilà pour cette petite découverte. J'espère que ça vous aura plu. Je vais retourner jouer à Echo. Si vous voulez, je vais lancer un live derrière. Donc voilà, bah du coup, on continuera vu Kong. Dans la semaine, peut-être demain, je sais pas exactement, mais il est vraiment cool ce jeu, il est super beau, ça donne vraiment envie de creuser. Donc voilà, voilà. Et ben oubliez pas de follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez voir un peu d'autres vidéos que du jeu vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale, elle est en bas à droite. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir mes aventures en direct. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous restez, ben, on se retrouve dans 3 minutes. Ciao.